Salut tout le monde, c'est Amel de G, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pikmin. Et aujourd'hui, nous allons nous rendre dans cette zone, site du crash. Ce qu'on peut voir au niveau des étoiles, il nous reste une pièce à récupérer ici. Donc c'est parti. J'ai 113 Pikmin rouges, j'ai à peu près 70 Pikmin jaunes. J'ai très peu de Pikmin bleus. Il va falloir qu'on récupère pas mal de Pikmin bleus aujourd'hui. Et je pense que ça va être l'objectif principal. En plus de récupérer la pièce manquante de cette zone, ça va être l'un des objectifs qu'on va se fixer aujourd'hui. Alors, let's go. On va récupérer déjà tous nos Pikmin bleus, parce qu'on en a pas beaucoup. Il va nous en falloir un peu. Et on va récupérer quelques Pikmin jaunes. Hop. Je pense que 10, ça devrait suffire pour le moment. Ok. On va attendre que tous les Pikmin soient là, très bien. Donc on va se diriger par ici. Alors déjà, ça je crois que je peux lui sauter dessus, hein. Voilà, on peut le retourner. Bon, ça nous permet juste de récupérer quelques palais, mais... Ok, laissons-le tranquille pour l'instant, ok? Ok, on est bien là. Ah! Alors, les Pikmin jaunes, déjà, je vais leur demander d'aller récupérer... ces rocs. Ok, on est bon. Venez là, les Pikmin. Ok, tombez pas. Il y a peut-être un bleu qui est tombé, mais bon, c'est pas très grave. Hop! On va prendre nos Pikmin rocs. On va péter ce mur là. Ok. Et bim. Nice. Donc ce mur maintenant est pété. On va laisser les Pikmin jaunes dans le coin. On va reprendre les Pikmin rock. Il nous reste 3 rocks. Et je pense que ces 3 rocks, je vais m'en servir juste pour péter ce mur là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a de la chance. Allez, go. C'est bon. Du coup, ce mur-là est explosé. Parfait. On va pouvoir... On va rappeler tous nos Pikmin. Je vais les ramener dans le coin. Allez, arrêtez-vous là. Et je crois qu'il y en a un Pikmin ici qui traîne. Ah non, je crois qu'ils ont réussi à tous me suivre. Ok, très bien. Hop, retourne la caméra. Je vais prendre les Pikmin bleus. Ouais, j'en ai 28. Donc c'est très bien. Et les Pikmin bleus. Alors par contre, j'espère que ça va aller. Quoique j'ai un peu peur quand même pour ce qui va se passer avec les Pikmin bleus. Donc ce que je vais commencer par faire... Non, vas-y, reviens. C'est essayer d'en récolter un peu plus, ok? Parce que sinon ça va être un peu galère. Il faut que je récupère plus de Pikmin bleus. Alors allez-y, récupérez ça, ramenez-le, et vous allez récupérer ces petits arbres là. Hop, allez, c'est parti. Je veux plein de Pikmin bleus. Allez, s'il vous plaît, récupérez ça, voilà. Il va le récupérer, c'est très bien. Parce qu'en fin de compte, il va falloir combattre une créature qu'il y a dans l'eau. Et le problème qu'il y a, c'est que si je fais pas attention et que j'ai plus de Pikmin bleu, et ben on est un peu dans la mouise. C'est un peu ce qui se passera, hein. Ok, donc ça c'est fait. Donc je continue à récupérer quelques Pikmin bleus. De toute façon, on a tout le temps aujourd'hui. Comme on a dit, de toute façon, ça va être un épisode farming en plus de récupérer la fameuse pièce du vaisseau qui nous manque. Hop, on va récupérer un petit peu tout ça, les Pikmin. Ok, c'est très bien. Ok, venez là. On va aller récupérer celui qui est là-haut, là. Voilà. Et on redescend. Il y a des Pikmin qui traînent là. Faut que je fasse gaffe aussi. Ok, donc les Pikmin sont bien arrivés. Tiens là, il y en a pas mal à péter là. Allez-y, récupérez ça. Voilà. Toi là-bas, qu'est-ce que tu fais? C'est bon? Ok, ça a l'air d'être bon. Il nous en reste un petit peu là. Allez-y. Par contre, faut faire gaffe parce qu'il y a des hautes herbes ici. Et le problème avec les hautes herbes, c'est que... ils peuvent s'arrêter en cours de route et essayer de chercher... Oh tiens, regardez ça. Arrêtez avec ça. Voilà. Et justement, les hautes herbes, ça va être une bonne chose parce que... une fois qu'on aura récupéré tous les Pikmin qui seront enterrés, donc là, on va récupérer tous les Pikmin bleus qu'il y a par terre. Normalement, avec ce qu'on a, on devrait pouvoir s'en tirer. Mais dans le doute, on va en laisser quand même 10 dans l'oignon. Juste au cas où, ok? Parce que si on fait une erreur, on aura un peu dans le baba. Et j'ai pas vraiment envie de l'avoir dans le baba, n'est-ce pas? Ok, il en reste un là-bas. Ok, on a 52-62, c'est parfait. Donc allez-y. Restez dans le coin, de toute façon vous allez choper... Voilà, regardez ça. Du bon nectar. Allez-y. Je veux que tous mes Pikmin level up. Ok, parfait. C'est bon? Ça a l'air d'être pas mal. Allez-y, revenez.
Bon, il y en a quelques-uns qui sont pas, qui ont pas level up, mais c'est pas très grave. Alors, je vais en les... Bon, j'en laisse 11. Pas très grave. En attendant, les autres vont me suivre. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il y a des Pikmin qui ont des feuilles qui sont venues avec moi. J'aurais aimé avoir que des Pikmin avec des fleurs, mais tant pis. Ok, allez-y, venez. Donc les Pikmin jaunes, on va les laisser là pour l'instant. Hein. On n'a pas forcément besoin tout de suite. On en aura besoin pour après. C'est lui là. Lui, va falloir qu'on récupère la pièce qui est à l'intérieur. Et va falloir qu'on fasse attention à comment on fait. Ok. On est là. Vous voyez, il peut m'exploser les Pikmin. Donc il faut que je fasse très attention à ça. On est là. Ouf, ça va. Allez-y. On est là. Ouh, ça va être limite. C'est bon. Il y en a un qui a échappé belle quand même. Hein. On est là. Ok. Il y en a encore un qui a échappé belle, mais bon. On aura de bon là. Revenez, 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 revenez. Ok, c'était limite, mais c'est bon. C'est le post. Alors attends, c'est le positrano. Attends, le positronator, pardon. En combinant des batteries et des cellules solaires, cette machine peut générer de l'électricité en quantité incroyable. Quelle chance! Les nouilles spatiales seront meilleures chaudes. Ok, très bien. Donc on va récupérer ce module. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. S'il vous plaît, aidez-le. Voilà. Hein, les Pikmin. Ok. Donc on va laisser ça. Voilà. Parce que là, en fin de compte, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que... je demande au Pikmin jaune de le ramener. Hein, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de problème avec ça. Alors allez-y, les Pikmin jaunes. Vous êtes normalement 10. Allez-y. Ok. Vous êtes 10. Et 10. Normalement, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, ils vont ramener ça. En attendant, moi, je vais me faire la petite perle qu'il y a ici. Parce que la petite perle, ça permet de récupérer une quantité monstrueuse de Pikmin. Donc, on va essayer de rattaquer la chose. En faisant attention. Revenez, revenez, revenez. Il y en a qui étaient restés pas très loin derrière, quand même. Revenez, revenez, revenez. Ouh, il y en a un qui était presque resté dedans, quand même. Ok, revenez. Je prends pas de risque, hein. Clairement pas. Parce que là, ça devrait être bon. Revenez, revenez. Ok, super. Donc là, vous allez voir, quand je vais ramener la perle. Allez, s'il vous plaît, la perle, là. Voilà. Va falloir bien regarder le nombre de Pikmin que j'ai. Ça va augmenter d'une façon assez incroyable. Et du coup, j'ai récupéré la dernière pièce qu'on pouvait trouver dans cette zone-là, dans le site du crash. Donc le positronator. Ce générateur est si puissant que l'on peut prendre une décharge électrique sans le toucher si on s'en approche. Voyons. J'ai retrouvé 12 pièces sur 30. Les capacités du Dolphin ont été accrues. Mes recherches peuvent couvrir une zone plus importante. Du coup, on va avoir le droit à une petite évolution du Dolphin. Ça, ça fait plaisir. Et je vais pouvoir avoir accès à de nouvelles zones. Mais avant d'accéder aux nouvelles zones, je pense qu'on farmera un petit peu ailleurs. Ok, donc ça c'est fait. Je pense que je vais également m'amuser à choper cette perle. Parce que why not? Alors vas-y, s'il te plaît, reste là, voilà. Ok, revenez. Revenez, j'ai dit. Ils ont pas voulu revenir. Par contre, c'est chiant parce que je suis sur une zone qui glisse, apparemment. Donc c'est un petit peu handicapant. Revenez. Ok, super. Continue. Bon, j'ai perdu quelques Pikmin bleus, mais avec les Pikmin rouges, enfin avec les Pikmin que je vais récupérer là, normalement ils ont pas trop eu un problème. Ok. Allez, on tryhard. Par contre, c'est n'importe quoi comment ils sont projetés les Pikmin là. C'est peut-être parce que je suis dans la zone qui glisse. C'est super chiant. Allez. On y croit. Revenez. Et encore un coup. Allez, 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 allez. Revenez, 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 revenez. Ouh, limite. Ok, là, c'est la bonne. C'est bon? Même pas. Décidément. Allez, là, c'est bon. Pas de lézard. Parfait. Revenez les Pikmin. Et vous pouvez ramener ça. Allez-y. Alors, on n'a pas vu vraiment le nombre de Pikmin qui ont été ajoutés, mais il y en a vraiment beaucoup qui ont été ajoutés. Hein. Là-dessus, croyez-moi. Très bien, alors, je vais vérifier s'il n'y a pas des Pikmin qui traînent un petit peu à droite à gauche. Non, ils sont tous là-bas, les Pikmin. Ok.
Donc on va aller les récupérer. On peut voir qu'il y a énormément de Pikmin bleus qui ont popé. Ça, c'est grâce à la perle que je viens de ramener. Hop, je vais récupérer ces Pikmin là. Et donc maintenant, le but, ça va être de farmer. Et de Alors, regardez le nombre de Pikmin que je vais récupérer. Ok, j'en ai 284. Regardez le nombre qu'il va y avoir. Donc 284. De 284, on passe à... Voilà. 50 en plus. 50 Pikmin en plus. Pas négligeable. Donc là, avec les deux perles que j'ai récupérées, ça veut dire que j'ai récupéré 50 Pikmin bleus, quoi. Ok, donc on va continuer à faire le tour par là. Il y a toujours un Pikmin dissident qui reste dans le coin. C'est un peu un problème, ça, mais tant pis. Allez, restez groupés. Venez là. Il y en a un qui est resté en bas, c'est pas grave. On va le laisser en bas. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer ça. Allez-y. Ok, ils vont le récupérer. En attendant, je vais récupérer ceux qui sont restés derrière. Bah, il y en a qui sont restés derrière. Ah, les Pikmin. Voilà, il y en a un qui était resté là. C'est bon ? Apparemment, j'ai tout récupéré. Donc, l'autre, il la ramène. Très bien. Ok. Je vais laisser les Pikmin plantés pour l'instant. Pour la simple bonne raison, c'est que si on laisse les Pikmin plantés, ils peuvent grandir, en fin de compte. Ils peuvent bourgeonner. Je crois que c'est comme ça que ça se dit en français. Bourgeonner. Venez là, aidez-lui, là. Et vous allez récupérer celui-là, là-haut. Allez, hop, c'est parti. Vous avez vu, j'ai envoyé le Pikmin bleu pile-poil sur le palais. Et ça a fait en sorte de récupérer pile-poil... Enfin, de récupérer le palais instantanément. Ok, alors, que je regarde... Ouh, toi, tu peux m'intéresser, toi, mon petit pote. Reviens là, reviens là, reviens là. On va te retourner, mon ami. Voilà. Bouge pas, on va continuer à te retourner, tu vas pas comprendre. Voilà, on le retourne jusqu'à ce qu'il en peut plus. On est là, on continue de l'envoyer. Ah, il s'est barré? Ok, il s'est barré. Bon. On a un palais de 5 en plus, donc très bien, allez-y. Ramenez-le, s'il vous plaît. Voilà. Et vous avez vu les Pikmin, là, qui sont enterrés? Ils ont commencé à bourgeonner. Donc ça, c'est très bien. Venez là, vous. J'ai été projeté en l'air. Ok, c'était pas vraiment le but, mais de toute façon, il va falloir que j'envoie les Pikmin là-bas. Si je peux. Allez-y. Je vais les envoyer tout là-bas. Ok. Parfait. Je vais récupérer ceux qui traînent là-dedans. Et les renvoyer là-haut. Pour que moi je me fasse projeter. Ok. Les récup. J'en ai 37. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bon, faut faire en sorte de pouvoir tout récupérer. Hein. Toi, tu reviens. Ok, là, il y en a 10, parfait. Tu reviens là, toi. Ok, normalement, là, il y en a 10. Ok, 1, 2, 3. Please, arrêtez de bouger, là. Ah, ils ont récupéré un petit. Bon, tant pis. Tu me diras, je devrais avoir ce qu'il faut pour les petits. Donc, tiens, tiens. Et on va attendre. Allez, hop. Récupère celui-là. Voilà, super. On a récupéré tous les palais qu'il y avait là-haut. Là, vous allez voir, la courbe des Pikmin bleus va littéralement exploser. Hein. Littéralement exploser. C'est bon? Ok, on récupère tout ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer tous les Pikmin bleus que j'ai. Regardez le nombre de Pikmin que j'ai. Et il y en a encore beaucoup qui sont à l'extérieur. Donc là, je vais tous les déterrer. Et avec le temps qui va me rester, je pense que je vais essayer de récupérer un petit peu plus de Pikmin jaunes. Parce que là, en termes de Pikmin bleus, on est plutôt à l'aise. Mais je pense pas qu'au niveau du time j'aurai le temps de chercher quoi que ce soit avec les Pikmin jaunes. On verra. Mais qui ne tente rien à rien. Hein. Je vais d'abord me contenter de tout déterrer. Parce que je veux absolument pas quitter l'endroit, le site du crash, sans avoir récupéré tous mes Pikmin bleus. Et du coup, le site du crash, c'est une bonne zone pour farmer les Pikmin. Comme vous avez pu le voir, hein, y a vraiment une possibilité gigantesque pour récupérer beaucoup de Pikmin. Et je pense qu'au niveau du time j'aurai pas le temps. Vu le temps que je passe à déterrer tous ces Pikmin. Ça va pas être possible. Mais la plupart de mes Pikmin ont une fleur. Et ça, c'est plutôt appréciable. Ok. Tac, tac et tac. Ça me paraît pas mal. Ok. On va tout rentrer. Et je me retrouve avec quasiment 200 Pikmin. Ça, c'est plutôt cool.
Ah, je vais regarder si avec les jaunes j'aurais eu la possibilité de faire quoi que ce soit, mais de toute façon, vu tous les palais que j'ai récupérés dans le coin, je pense que j'aurais rien pu faire. Non, j'aurais rien pu faire. En tout cas, il n'y a plus aucun Pikmin dans la zone. Ça veut dire que bah j'en ai perdu aucun, ce qui est une bonne chose. Mais ouais. Ah si, il y avait un petit palais là-haut, mais bon. Si c'est pour récupérer un Pikmin, c'est pas la peine. D'ailleurs, si on reste dans la zone, on peut normalement se soigner. Voilà. J'ai retrouvé 12. Ah ouais, bon, il me répète ce qui a été dit. Bref, nous, on va faire... Alors, c'est pas ce bouton-là, c'est celui-là. Voilà, passer au coucher du soleil. Oui. Histoire d'accélérer un petit peu le processus. Donc là, Olimar, il est tout seul. Hein. Il fait toujours l'animation comme quoi il veut faire rentrer les Pikmin dans les oignons, malgré qu'il n'y en a plus derrière lui. Mais bon. Ma mission accomplie pour cet épisode, on a récupéré la pièce de vaisseau que je cherchais. On a pu augmenter considérablement le nombre de Pikmin bleus que j'avais. Et ça, c'est une bonne chose, parce que prochain épisode, je pense qu'on va se servir pas mal des Pikmin bleus. Je pense qu'on va retourner au deuxième niveau où on a été. Pas celui-ci, parce que celui-ci, c'est le premier, mais le deuxième. Parce qu'il y a des zones qu'on pouvait pas atteindre en dehors de la flotte, en fin de compte. 6 jours depuis le crash, j'ai réussi à accroître le rayon d'action du Dolphin. Tandis qu'il s'élève encore plus haut, je peux voir par le hublot une vaste étendue d'eau au plus profond de la forêt. Je la baptise la source lointaine. Je l'explorerai demain pour l'heure, il me faut du repos. Donc il y a une énorme source d'eau. Forcément, c'est pour ça qu'il me fallait beaucoup de Pikmin bleus. Sauf qu'on va pas forcément se rendre là-bas pour le prochain jour. On ira se rendre ailleurs, comme je disais, pour aller récupérer d'autres pièces. Et évidemment... farmer d'autres Pikmin pour pouvoir se préparer, et on va également trouver d'autres boss à faire. Donc je pense que prochain épisode on va retourner ici, mais bon, en attendant, moi je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode de Pikmin vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien les amis, et à bientôt. Bye.